voilà, maintenant, après une longue absence, c'est un grand plaisir. Pour moi aussi, docteur, tellement ravi de vous avoir avec nous. C'est vrai, à l'époque, on était, je crois que Tour de Seine. Maintenant, nous sommes un peu plus proches, je crois, de chez vous, Avenue Foch. Je voulais savoir, docteur Abou Diab, que pense concernant la manifestation des musulmans hier à Paris? Écoutez, pour moi, la question de l'islam en France et de son intégration et de l'avenir de la coexistence nationale ou de la laïcité en France, c'est une question qui m'a préoccupé depuis la fin des années 80. Et personnellement, toujours, j'ai reproché à l'État français de ne pas être un acteur entier à ces propos et à laisser beaucoup de place aux acteurs étrangers et à ne pas donner toute l'attention au développement des musulmans de France qui ont été depuis un certain moment la deuxième religion de ces pays. De l'autre côté, j'ai toujours reproché aux élites musulmanes d'être absentes de ces débats et de ne pas tenter de jouer leur francité comme il faut au moment venu, de montrer l'allégeance nationale et de donner la preuve qu'ils sont des gens intégrés et qu'ils donnent la priorité à cette loyauté nationale. Avec le temps, maintenant, cette question avec la montée de tous les fanatismes, de tous les nationalismes, de ces clashs de culture. Elle prend cette question maintenant une grande dimension. Mais, pour que je sois tout à fait précis, je mets en garde en France, toujours, devant mes étudiants, j'ai répété ça à plusieurs reprises. Je réitère ça sur votre antenne. Il ne faut pas que l'islam soit utilisé comme une arme politique en France. C'est une arme à double tranchant. Il y a les gens racistes et islamophobes qui veulent utiliser l'islam pour renforcer leur place dans la classe politique ou lors des élections. Et il y a de l'autre côté aussi des gens qui défendent n'importe quoi l'islam pour aussi avoir des voix des musulmans ou des gens d'origine musulmane ou de confession musulmane afin de gagner plus de place dans les représentations politiques. Il faut cesser ça et faire une discussion saine autour de l'intégration et autour du problème de l'islam de France et comment ne pas permettre aux organisations islamistes et aux gens qui veulent récupérer les musulmans, comment il faut interdire les racistes et les islamophobes de prendre le dessus. Donc, je pense, la logique manif contre manif et défi contre défi ne règle pas les choses. Je pense que certains soutiens n'est pas innocent. Comme toute animosité gratuite n'a pas la bienvenue, je plaide donc pour un dialogue et pour donner toute la place aux sages de tous les côtés. Excellent, docteur Abou Diab. Alors, concernant l'islam, surtout la politisation de l'islam, le danger qui existe déjà depuis des siècles et récemment dans tous les pays musulmans, mais en Occident, quel est votre avis? Que pensez-vous d'un islam qui soit présent dans la société, qui n'a pas encore été modernisé, docteur Abou Diab? Oui, c'est ça, le retard qui a été fait est énorme. Pour cela, je parlais de la fin des années 80, mais il y a des gens qui crient depuis la fin des années 70. Il y avait plusieurs éminents professeurs censés, les regrettés Bruno Etienne, Olivier Carré et d'autres,
Il y avait Ali Merad, il y avait de Mohamed Harkoun, et tous ces gens plaidaient par exemple pour une académie spécialiste dans l'Alsace-Lorraine, selon le système Concordat, pour qu'on donne à la société française ses imams français, musulmans et ses cadres. Malheureusement, on a laissé cette mission aux autres et maintenant on a les mauvais résultats et il y avait l'importation des imams, ce qui a compliqué les choses. Et on ne peut pas imposer la naissance d'un islam français ou d'un islam de France, mais on peut exiger des musulmans de France cette loyauté nationale et en même temps qu'ils laissent tomber toute idée de la priorité ou de la primauté des droits musulmans ou toute allusion à cette oumma, car là, ça devient grave. Il y a certains qui ont fait l'ifta ou la fatwa ou la jurisprudence pour que les musulmans, comme minorité, vivent dans un État non musulman. Tout ça, c'est, à mon avis, il n'a pas sa place. On a une laïcité, naître, elle peut être plus positive et elle donne toute sa place à la liberté de culte. Mais à condition que cette liberté respecte l'ordre général et respecte aussi la liberté des autres. Et cette liberté, qu'elle ne soit pas le moyen pour un jour exploiter la démocratie pour d'autres fins. Donc, il faut une sorte d'un code de conduite. Il y a des gens qui me disent, mais il n'y avait pas ça avec les autres religions. Non, je regrette, même pour l'intégration des Juifs, il aurait fallu l'effort de Napoléon. Et pour l'histoire des protestants, on savait les longues tragédies et l'édit de Nantes. Et donc, c'était pas facile. Pour l'islam, ce n'est pas facile non plus, mais c'est pas tragique non plus. Donc, c'est possible de faire mieux. Et c'est possible que maintenant, on a plusieurs imams, disons, francisés et de francisés dans leur pensée, qui pensent comment placer l'islam dans la société française. Et je pense avec le temps, on aura plus de connaissances. Il y a un problème d'ignorance dans cette affaire. Car enfin, ce qu'il disait Chirac, à un moment donné, à la place des clashs de civilisation, il faut que les gens, il faut pas l'ignorance mutuelle, mais il faut la reconnaissance mutuelle. Il faut la connaissance. Et là, je vois par exemple des initiatives entre les hommes de bonne foi, des rabbins, des prêtres, des imams, des cheikhs. Donc, il y a des progrès par rapport à notre époque. Il y a une prise de conscience après la montée du terrorisme et la montée des surenchères des côtés et des autres. Mais il faut transformer ça en actes plus précis. Abou Diab, à votre avis, le problème qui existe actuellement dans le monde, qui vient de la part de l'islam politique, ce problème, ça vient plutôt de la part des individus musulmans ou de la part d'idéologie l'islam politique, mon cher ami? Écoutez, toujours depuis les débuts des religions monothéistes, il y avait toujours des débats et il y avait des périodes dures. Le christianisme au Moyen Âge a connu ce qu'il a connu et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu l'horreur avec les génocides contre les Juifs et contre l'humanité, en fin de compte. Et là aussi, on voit bien la crise, c'est-à-dire cette crise, cet islamisme, ce n'est que la crise politique, la crise sociale, la crise de pensée, c'est un symptôme d'une maladie. Et je pense, oui, c'est l'œuvre avant tout d'une idéologie, d'une tentative d'une lecture littérale de l'islam qui fait de l'islam
ce qu'on appelait en arabe din wa dawla wa dunya, c'est-à-dire la théorie de 3D, selon le professeur Mohamed Harkoun. Lorsqu'on interprète l'islam comme religion et état et tout ce qui est temporel à la fois, on fait de l'islam un totalitarisme, on interprète tout à travers le prisme de l'islam et on permet toutes les dérives à travers ces prismes. Et le terrorisme passe par là, les frères musulmans passent par là, beaucoup d'organisations qui veulent imposer la charia passent par là, et beaucoup d'organisations qui plaident la rupture avec les autres, la non-reconnaissance de l'autre, passent par là. Pour cela, c'est un combat avant tout, un combat de pensée, un combat, une bataille idéologique contre ces groupes. Et c'est vrai, on a maintenant de gens éclairés, on a des penseurs, de nouveaux penseurs, mais il faut encore du temps pour qu'ils s'imposent. Après tant de mal, je pense, il y aura des progrès. Il faut, à ce propos, compter sur les nouvelles générations, les nouvelles idées, mais il faut être juste dans le jugement pour dire que cet islam devrait dépasser la période des crises comme l'a fait le christianisme à travers la séparation de l'Église et l'État. Il faut séparer la mosquée et l'État. Il faut faire de la citoyenneté l'œuvre générale la plus importante dans les sociétés musulmanes. Il faut inventer un modèle de modernité capable d'être adapté au siècle. Ce n'est pas un effort si petit. Jusqu'à maintenant, les islamistes de tous bords, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient chiites, ou autres, ont échoué. Et donc, il faut laisser la place maintenant à mettre la religion à côté et laisser ces sociétés trouver sa voie de modernité et de progrès sans obstacle.